Bonsoir tout le monde. Hello. Jerry Jerry on stage. Ce soir c'est 100% female. Welcome to Black Shoes Pop. Ça va être plaisir. Bienvenue. Vous avez déjà commencé par une après l'autre vous présenter qu'est-ce que vous faites dans le monde. Alors Nathalie, batterie, percussion, accessoirement. Hélène à la guitare, aussi à la guitare vocale, aux arrangements au centre. Moi je suis Sarah, je suis la chanteuse et j'écris les textes. Je suis Christine, je suis à la basse. Oh, une bassiste! Ben, bienvenue à Genève, vous êtes un groupe qui venait ce soir direct de Lausanne. Oui. Ça a été la circule. Hein. C'est un ouais. Que du bonheur. On est là. J'ai des amis vos doigts qui dénagent que vous avez fait votre injection avant de venir ici. Ouais. Ouais, c'est ouais. Tout bon. Génial. Le groupe a été créé en 2016. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut m'expliquer un peu cette fusion entre vous. C'est elle qui montre, je vais vous expliquer, mais en fait c'est son idée. Alors vas-y, tout fait tellement bien. Tout fait tellement bien. Non, en fait, là, c'est bon, on se connaissait déjà un peu à l'avance, mais là, on se connaissait déjà tout le temps à l'école ensemble. On avait joué dans un groupe ensemble. Et puis, Vous êtes amis d'enfance, et comment vous avez fait la partie? On se connaissait aussi un peu avec Hélène, et puis je pensais à elle parce qu'elle avait trois jours. Et puis, dès que je lui ai dit, oh, j'ai peut-être dit, ouais, c'est qui, donne-moi son numéro. Elle l'a plus lâché non plus. Puis elle a dit, moi, je connais peut-être une basse, parce que c'était bon. Moi, ouais, dans deux semaines, on se voit, on essaye, on regarde, et puis c'est parti, quoi. Donc parlez-nous un peu de sexy boule. Qu'est-ce que vous essayez avec cet album, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous donnez à l'expérience, est-ce qu'il y a un message que vous voulez lancer? Les chansons sont les unes après les autres, les textes, quand je les écris, c'est vraiment chaque chanson. Il y a un mois qui en parle, chaque chanson est écrite, il n'y a pas un jour.
à faire un album, on va avoir un concept. Après, c'est clair qu'on est tourné Souvent, ce que dégage la chanson comme une émotion, comme un style, je vais vers une chose ou l'autre. Il y a souvent un jour, quand je jam, je viens, je mets sur une boîte, suite à ça, je me demande quand je parle en anglais, un mot, un rythme, sur le sujet que je vais aborder, parce que des chansons, le jour à soir, je ne sais pas, au burn-out, je vais documenter sur le processus, pourquoi, ce sont des mots. Après, une fois que j'ai la mélodie, j'ai la rythme, je vais poser mes mots, j'ai des mots dans la posade, il y a tout ça qui shake un peu comme ça, je prends la mélodie en tête, tout ça me vient. Alors c'est souvent, on t'éveille, je ne sais pas quoi de ça, ça vient tout seul. Et what's next? Donc avant qu'on entende déjà un petit morceau,
je me réjouis de vous entendre. J'aimerais quand même, c'est une question que je sais que j'en ai pas, mais Black Shoes Button, c'est quand même déjà la voilà, ça vient. Tout ça vient, qui sait. On nous a dit, et je pense que, en fait, la personne qui nous a dit ça a raison, c'est une personne qui nous a dit qu'il y a quand même des filles qui pourraient avoir un nom pareil. Et nous, on fait ça quand même pas, parce que c'est un bouton, mais on change sa vie. Il y a quand même des filles. Donc c'est sorti comme ça. Non, non, non. Non, non. C'est des premiers ou c'est une minute et demie. Enfin bref, vous allez nous faire une petite chanson entre les interviews. C'est complètement. Vous allez nous faire un peu de parole. Un bon pour nos fans. C'est avant les fans, ceux qui veulent nous trouver. Il y en a qui nous suivent. Ouais! C'est Michel. Là, j'aimerais en profiter de les saluer parce que c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous qui nous suivez et qui sont toujours là, c'est génial. À tous les concerts, c'est assez incroyable. Moi, chaque fois, je vais vous les voir, mais c'est trop bien. Oui, on vous remercie du reste. Là, merci de vous écouter. Alors, je vais essayer de vous préparer. On vous écoute. Avec plaisir. Je vais me bouger. Plus fort. Ok. Mesdames et messieurs, ça va être maintenant. Si vous voulez monter pour voir, vous pouvez. On a deux tubes. On a des plans, c'est pas mal. I love the sun.
Marche. Jacques, merci, t'as une super idée. On a eu quelqu'un qui nous a dit sur le Facebook Live qu'on entendait mal. Donc, quand on a mis le micro, ouais, je vais me décaler. Donc, on va se passer le micro. Oui! Mais on se le passe, on ne le garde pas. Oh! D'accord? Alors, moi, j'ai quelques questions pour vous personnelles, afin qu'on apprenne à vous connaître un peu plus, peut-être un peu plus. Peut-être un peu moins sur le côté musique, mais un peu plus sur le côté personnel. Bon, déjà, si je faisais un peu d'humour. Puis, c'est vrai que j'ai un peu les yeux à ma droite, hein, ce côté un peu calme. Je vais peut-être commencer par toi, que je te laisse le micro. S'il y avait un mot pour te décrire, ce serait quoi? On dit que Dieu a créé la femme, tu aurais créé quoi toi? Des poissons. Please explain. Please explain. L'eau. D'accord. Bon, moi je reste dans les poissons. Les crevettes. Il n'y a que Lana qui peut répondre avec tout. Moi j'adore ça. Normalement c'est oh la femme, la mère, c'est bien continue. La douceur qui parle. On dit que Dieu a créé la femme. Tu aurais créé quoi, toi? Ah, bah quand même, ça me rassure. Un jour, elle fait comme lui, hein, la femme. La femme, magnifique. D'accord. Voilà, c'est clair. C'est clair. Non, je vais pas la refaire, celle-là. On t'invite ce soir à manger. Tu amènes quoi, toi? Bah, ma bouffe. Ça c'est vrai. Une bonne bouteille de vin rouge. Ah, des connaisseuses, j'aime ça. C'est pareil pour moi, vous. Ah, il est bon. Hein. Ouais, il est bon. De la bière parce que voilà. Parce que la batteuse elle boit de la bière. Bah, en fait je bois pas de vin rouge. Elle boit beaucoup d'alcool. Tu bois pas beaucoup d'alcool. Non, non. C'est vrai qu'il faut se concentrer. Ah ouais. Y a-t-il un rêve que tu fais souvent? T'aimerais, alors on va un peu étendre la question, est-ce qu'il y a-t-il un rêve que tu fais souvent et que tu aimerais que ça se réalise? Voilà, il y a plein que j'ai fait qui sont réalisés. Et un que j'aimerais bien, c'est jouer dans un stade. Pour moi, ça c'est le truc que je kifferais. Un stade, une Coachella, un millier de personnes. T'inquiète pas, elles sont toutes là pour t'attraper. Moi, ce serait jouer dans une prison. Ah bah, Moudon. Ouais. Prison. Bah, toi, tu regardes Prison Break, hein? Non, je n'ai pas de télévision, moi. Ça va mal tomber si je regarde. Ah bon? T'es où? À Moudon. Local. C'est pas mal. Et toi? Moi, j'ai souvent fait le rêve de rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est fait. Ça vaut, donc c'est très cool. Nouvelle belle histoire d'amour, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. On dit bonjour? Ouais. Bonjour. Ciao. Moi, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de musique dans le monde, comme ça les gens seraient vraiment sur la gueule. Bah, c'est beau ça. Ouais, c'est un langage universel. C'est vrai. J'aime bien ce qu'elle a dit. Alors, est-ce qu'il y a un morceau est-ce que tu as un morceau qui te représente le mieux? Alors maintenant, c'est pas obligé que ce soit un morceau du groupe, hein, on est bien d'accord. Ça peut être une chanson peut-être quand tu étais petite, du style la danse des canards ou quelque chose comme ça. Non, du tout, hein. Ouais. Une qui vient comme ça. Moi, c'est pas un gars que je vais dire. Moi, c'est Mylène Farmer. Ah. Moi, je suis une fan de Mylène Farmer. Donc, je précise, c'est pas un gag. Ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui ne me connaissent pas disent c'est improbable. Mais c'est vrai, c'est Mylène Farmer. Alors, moi,
chanson qui m'a marqué, qui va me représenter, c'est The River de Springsteen. Oh non! Oh oui, baby. Si tu savais la nombre de fois que j'ai entendu ça, c'est mon histoire, en fait, c'est magnifique. Je vais la chanter, mais je peux pas, je crois que je peux. Ouais. Ah bah tiens, je salue une personne très proche de moi qui n'est pas là, mais qui on va voir très bientôt. Voilà, qui pense comme toi et. Et voilà, jubile. Hein. Tu vois, toi, si tu montes sur un stade, tu dis que tu mouilleras ta culotte, bah, c'est quand elle encore la coupe de river. Enfin bref. Et toi j'ai pas comme ça un titre, mais moi je pense à Noir d'Azir, par exemple, ou Jacques Julien, que j'ai beaucoup suivi il y a très longtemps. Mais après, bon, je suis passée au métal. Voilà, c'est quoi les chansons spécifiques. J'aime pas les chansons motoriales, mais c'est ce que j'aime. Et quand vous êtes ensemble, vous allez monter sur scène, est-ce que vous avez un pas de bonheur ou en vérité une habitude qu'on fait avant de monter sur scène? Oui, ça se dit, il y a des choses. On a forcément quelque chose. Ouais. Bah, seulement si ils sont d'accord. Il n'y a personne qui nous voit. Non, personne. Non, c'est un secret. C'est un secret. C'est que pour les gars. En fait, souvent, on peut peut-être nous entendre. Voilà. Vous faites en grand juron, c'est ça? Vous dansez la danse des Indiens avec le tambour chamanique. Mais vous nous le direz en général. Quand je serai invité VIP à votre prochain concert, tu verras. Je tiens l'œil. Hein. Moi, je te dis qu'on va être invité. Mais en stage, on va être invité. On va bientôt devoir terminer, mais j'ai encore une ou deux petites questions, parce que de nouveau, vous êtes toutes des artistes, des musiciennes, des passionnées, ça se voit, ça s'entend. Mais est-ce que vous avez d'autres passions que la musique? La danse, la photographie. Moi, ça reste la musique. Ouais, on a un tour d'artiste quand même. Hein. Est-ce qu'il y a une question ce soir que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne sais pas poser? Non, je crois que ouais, c'était bien. Non, j'attends pas. Bon, non, la question que je voulais poser, c'était quelle était notre actualité, si on va sortir un single ou un clip. Mais j'ai demandé avant vous en étiez à quel était vos plans. Vous n'avez rien. C'était ça. Ah, non, j'ai pas compris la question. Alors, bon, ça peut être des dates, des lives pour vos prochains. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? On a répondu, on a compris la question dans ce sens-là à tout, puisqu'on a répondu par rapport aux lives. Mais en fait, on va sortir prochainement. Et puis, on va faire un petit peu. Surprise. Il y a des chances, t'as un peu de galop et pour soigner notre égo quoi. On est toutes belles. Ah bah oui, je vous mène pas, ouais. Tu vas nous dire ce que vous faites avant de monter sur scène. Ça fait plein de choses. Pour mon trou, je fais un peu de yoga, mais bon, c'est pas la question. Tu fais la pirouette en arrière? Non. Écoutez les kimonos, ça nous a fait plaisir, vous êtes venus de Lausanne, je sais que la circulation, on va le dire honnêtement, c'est un peu la catastrophe ce soir. On sera chez vous de voir d'avoir de vos nouvelles. On espère, j'attends mes billets VIP. Je t'ai l'air. Moi aussi. On est beaucoup chez on stage. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, on est beaucoup. Ouais, on va négocier tout ça après. Moi, je vous remercie infiniment. Merci. Ça fait plaisir d'avoir une femme, d'être entourée de femmes. On va vous laisser finir avec une dernière chanson. Tu veux me la présenter? Burnout. Excusez-moi, je vois que deux fois je l'ai fait. Et en plus, là, elle n'est pas sur l'album, donc là, ce sera la première fois en acoustique, donc c'est un peu calme. Bah, merci infiniment, on est touché. Bon, on vous laisse alors. Une bonne soirée, à bientôt. Merci, merci beaucoup. Non, en fait, je fais une petite allusion parce que cette chanson a une mise en scène particulière que je ne peux pas faire ici. Donc, il faudra venir voir en live, en rock'n'roll, pour avoir le visuel. Merci de l'invitation. Merci.
Merci d'être là sur Facebook. À bientôt. Merci. Alone.